On est déjà en sous-effectif. Ils occupent cette position ici. Vous avez essayé, Holstein ? Hélène dit qu'il n'y a pas de signal là-bas. Bordel. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ? Ah, tu es Brady. Moura a appelé, elle a dit que tu passerais. Et tant mieux pour moi, j'ai une patrouille qui a disparu. Je vais avoir besoin de toi. Attends, juste une seconde. Contactez Connor. Demandez s'il a vérifié sur la côte. Ils sont peut-être perdus ou sont tombés en panne. S'il est dispo, dites-lui de prendre une bécane et d'aller regarder. Désolé, Brady. Au fait, je m'appelle Ned Sharp. Je gère le dépôt d'armes ici. Mais comme je disais, j'ai perdu une patrouille. Ils enquêtaient sur un éventuel transfert de Walker. Ils ont dit avoir un visuel sur un convoi, et la transmission a coupé. Toute information sur Walker est vitale. On doit découvrir ce qui leur est arrivé. J'ai envoyé des hommes chercher, mais on a beaucoup de terrain à couvrir. Il faudrait que tu sortes les aider dans les recherches. Essayez encore de les joindre. Quelque chose bloque peut-être leur radio. Ned, je fais de mon mieux. J'avais prévenu Andy qu'il prenait trop de risques. Pourquoi les gens ne font pas plus attention ? J'arrive pas à faire sortir ces yeux nordiques. Hé, doucement. Coincé par des snipers ! On a besoin d'aide ! Allô ? On aurait bien besoin qu'on nous remonte le moral. El Nouveau, si vous allez chercher la patrouille d'Andy, préparez-vous en cas de danger. J'ai des bombes artisanales pour vous. Elle marche aussi bien sur les véhicules que sur les soldats. Ça vous aidera contre ces enfoirés de la PC. Pourquoi ils nous ont pas contactés ? Brady, c'est Ned. Plus on couvrira le terrain, plus on aura de chance de retrouver Andy et ses hommes. J'envoie ta zone de recherche sur ton téléphone. Tiens-moi au courant si tu trouves la moindre bricole. Bonne chance. Brady, voilà la zone. Descendez-moi ces sales dégonflées de snipers, mais faites gaffe à votre cul. Les zones rouges.
surveiller la route menant au bastion à proximité. Si vous parvenez à les éliminer, on aura un poste d'observation parfait en vue d'une expansion future dans la zone. Putain, ouais, Brady! Vous les avez tous eus! L'hôtel Marianne était l'un des plus chics de Philly. Aujourd'hui, son seul client est un émetteur de l'APC. Si vous trouvez le moyen de pirater leur réseau, on pourrait obtenir des renseignements précieux sur les opérations de l'APC dans le secteur. Star est devenu un bastion capital de l'APC. Si on le libère, on enverra un message fort au Norco. Bon boulot en nettoyant ce nid de sniper, Brady. Désormais, on peut circuler dans la zone plus tranquillement. Ah, vous voyez, c'est aujourd'hui le grand jour.
Ici Alpha, ici Tony. Du nouveau ? On vient d'attaquer une patrouille Norco. Impossible de leur soutirer la moindre information sur les corps de notre Walker. On a dû décamper dès que les renforts sont arrivés. Reçu. Faites gaffe à vous, les gars, sérieusement. Jouez pas les héros. Dès que vous trouvez quelque chose, vous appelez les renforts. Tu t'inquiètes pour moi, Silly Alpha ? Je m'inquiète surtout pour les 10 dollars que tu me dois. Non, continuez de chercher, mais ne faites pas n'importe quoi. On se concentre.